Et donc, salut tout le monde, c'est Flavius Tensius, se retrouve pour un nouvel épisode sur Madness Combat, enfin Madness Project Nexus. Alors, attendez, j'ai un instant, faut que je me rappelle de comment on joue à ce jeu. Alors, ok, prendre une arme, jeter une arme, mettre des coups de poing dans la tronche, ça devrait aller. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, bah plusieurs semaines, hein. Donc, on va. Oui, alors hop. On va essayer de s'en sortir. Hop. Alors précédemment, on avait donc eu l'accident de voiture qui a fait que Deimos est en PLS, Stanford est en train de le soigner, et nous, on est parti tout à l'avant casser les bouches. Et je crois qu'il y avait un espèce de truc paumé dans tout en bas et tout, mais j'ai pas trop compris. Enfin, je sais plus si je me suis arrêté au début de la mission. Ouais, non, je pense que je dois être tout au début. Allez, meurs! Allez, qui veut se battre? Oh là! Oh là! Oh là! Oh là! Et dis donc! Nya! Ouf! Il m'a mis un coup, lui! Ah! Aïe! Ouh! Faut pas que je perde le bouclier! Vous êtes combien? Non, mais attends, attends, il y a combien de monde là? Oh! Et tu viens de battre toi! Mec, je te demande juste de frapper. Oh non, ça recommence. C'est dingue. Pourquoi il arrive pas à taper? Putain. Vous y croyez le mec qui est entouré par 50 000 ennemis? J'arrive pas à me battre. C'est... Chut! Deimos, Stanford, je suis dans la merde. Qu'est-ce qui se passe, Hank? J'arrive pas à me battre. Je suis coincé. Ah bah non, en fait, c'est bon. Attendez. Messieurs, veuillez m'excuser un instant. Voilà, c'est parfait. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah voilà! Enfin des coups de clé. Aïe! Mais ils sont combien là, hé hey! Regardez-moi cette bande de clodos du Nevada là, allez hop! Alors, je crois que j'ai compris, faut pas que je m'acharne trop parce que c'est impossible tout situer. Bon, attendez, on va rentrer là-dedans. Veuillez m'excuser. Bonjour monsieur. Ah ben non, ils viennent tous! Ah non, 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 et c'est pas du jeu! Eh ben je vais tous vous péter la tronche! Putain, les mecs ils viennent tous! C'est bon, il y en a encore un qui veut que je lui brise la nuque ou comment ça se passe? Ah bonjour monsieur! Pardon monsieur! Au revoir monsieur! Je peux pas juste faire tab. Ah si, c'est bon. Non mais ça fait tellement longtemps que j'ai oublié. Monsieur! Monsieur, s'il vous plaît! Le service les a désirés aujourd'hui! Voilà! Putain, j'ai pris un coup dans la tête! Regardez là, Hank. Hank, il a du sang partout sur la tête. Ah, c'est vilain, Hank. Je peux pas faire un truc? Non, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté? Non. Je crois que normalement, il y avait un fusil à pompe. Ah, je peux me soigner. Je peux me soigner? Ok, je suis déjà soigné. Alors, de l'autre côté, il n'y a rien, à part des documents. Il y a Michel qui faisait la compta et on l'a buté. Ouais, bah écoutez, il m'a foncé dessus le premier. Alors, en bas... On va revoir ce qu'il y a en bas. Parce qu'en fait, je crois que j'ai recommencé la mission depuis le début. Ah non, pas encore! Tu vas tout ruiner! Ah, tu as tout gâché! Ok. D'accord. Ah, si c'est ce que vous pensez, hein. Bon, ben, on va examiner les... voyons voir! Ok, on a déjà vu, il y a des trucs très bizarres et très étranges, on va pas se poser de questions. On a une mission à finir, allez hop, on y va. So long for Nevada, enfin je crois que c'est ce qui a marqué. Alors normalement il y a un fusil à pompe. Ah oui. Oh, une batte de baseball. C'est pas ce que je cherchais, mais. Ah voilà, le double hunter. Par contre, j'ai pas beaucoup de munitions, donc on va faire attention. Ah! On va faire attention aux munitions quand même. On va tirer. Allez, on tire au moins un coup de fusil. Oh putain, mais j'ai tué combien de chiens? Tu sais, tu vas voir l'homme ou la femme de ménage qui va arriver, va avoir, enfin pardon, le technicien de surface comme on dit. Oui. Oh! Oh! Putain, il est encore vivant! Ah non, j'ai cru.
Mais lâchez-moi, messieurs, s'il vous plaît. Y'a combien de gens? Au secours. Bon, ok, on va... Eh ben, on y retourne. Wouah. Allez, hop. On va aller partir en Mad Men. Non, c'est comment le nom du film où il bute tout le monde dans l'église. Kingsguard, alors je sais plus. Oh, et puis, putain, je vais tous vous massacrer. Je vais tous vous bolos. Le jeu il va cracher parce que j'ai tué tellement de gens. Attention le bouclier. Et on y retourne. Ah bah il m'a cassé mon... Non, la batte de baseball. Merci. Allez au suivant. Allez viens te battre. Non mais oh, on croit rêver. Oh non. On la barre. Ah, on a touché. Eh ben on va sortir ça tout de suite. Allez hop. Loupé. Loupé. Ah, vous me faites chier. Non mais je crois que c'est vague infinie parce que c'est pas possible. Il y a combien d'ennemis? Au secours. Je suis pourchassé. Ah, monsieur, donnez votre argent. Non, je veux pas. Ouvrez. Bon, j'espère que... Bon, ça a l'air de moins laguer que l'autre fois. On dirait une agression de rue, je suis en train de tuer tout le monde, c'est la police, ils vont arriver, ils vont voir, il y a 50 000 cadavres, ils vont me faire, mais monsieur, vous... Qu'est-ce que vous avez foutu? Bah écoutez, on est aux US, on est dans le Nevada, alors je sors mon fusil à pompe. Allez, viens te battre, toi, là-bas. Ouais, voilà. Attends, viens là. Oh putain, ça doit faire bobo quand même. Allez. On retourne à la batte de baseball. Babababam, babam. Oh! Sniper! Ah merde, j'aurais peut-être pas dû balancer mon fusil en fait. Bon, allez, t'es où? Aïe! Arrête! Putain, mais c'est qui vise balle en plus ce con? Bon, allez, t'es où là? Montre-toi! Philippe! Oh non, mais. Monsieur, s'il vous plaît, lâchez-moi. Non, non, monsieur. Allez, voilà, hop. Powerplay, qu'est-ce que c'est? Alors, we're not... nanana. Ok, il y a les snipers qui bloquent. Ok, bah, faut que je bute les snipers. Bah, ok, on y va. Hop là, bon. En plus, il y a entre-temps, le temps que je tourne le premier épisode et que je fasse des recherches, je fais des recherches et je suis tombé sur une chaîne YouTube, donc je mettrai le lien à la vidéo en description, qui ont très bien présenté Madness Project Nexus, et franchement, la vidéo est drôle, c'est la grotte à Juju, voilà. Dans la vidéo, je me suis fendu en larmes tellement c'était drôle. Oh non, des AirPods. Et oui, c'est pour ça qu'ils disaient ne pas balancer vos fusils, enfin, ne pas utiliser toutes vos munitions. Ah, oui, pardon, si j'oublie que... Je suis pas habitué aux écrans de chargement où c'est toi qui décides la fin du chargement. Moi j'ai l'habitude que... Voilà quoi. Ah, un ordinateur. Attends. J'ai plus mon fusil. Mais bande de connards. Bande de salauds. Oh là là. J'ai une petite soif s'il vous plaît. Pam 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 pam. Michel, tu peux me trouver le dossier? Ah. Da. Ok, il y avait du jus pour... Ouais, bon, ok, j'ai pas trop compris. Attendez. Since a new hermetic and external infrastructure, oui, ok. Ok, donc avant, il y avait des infrastructures pour, on va dire, comment on dit? Ouais, il y avait des infrastructures pour l'électricité, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il pense que ce seul gars va faire tout mon travail? Ah, docteur Bossman... Ah, docteur Christophe! Ah, perso que je connais bien. Ouais, c'est vrai qu'il faut que je pense à écrire le script de ce que j'ai prévu de faire. Ah non, attends, hé! Pire pas tout, moi j'ai envie de lire. Ok. Alors, l'ordi, je peux faire un truc ou non? Il est tout rouge, l'ordi.
Je n'aime pas trop ça. Ah, je peux me couvrir. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Pas de mitrailleuse ou... J'aime pas ça du tout. Je suis à poil en plus. Ah oui, j'ai Hank, un tueur en série, mais c'est pas grave. Bloqué. Que c'est ennuyeux. Bon, allez, on y va. Allez, hop. Personne? Incroyable. Attends, il y a des armes là. Non. Putain, il y a une lunchbox. Mais j'ai pas faim, j'ai envie de tuer des gens. Ah. Voilà. T'imagines, t'es le... Comment on dit? Le mec qui regarde caméra tueresse, tu vois un mec qui dit « J'ai envie de tuer des gens !» Ah, ok, très bien. Alors, bon, on va hacker. Bon, normalement, c'est plutôt le boulot de Deimos. Putain, tu vois que Hank, il n'arrive pas. Ouais, je sais pas faire du hacking. Putain, Hank. Hank, espèce de débile. Par contre, je suis un peu bloqué si Hank n'est pas capable de faire ça, en fait. Attendez, on va revérifier. Tu sais, le mec, il comprend rien. Je vais mettre un coup de marteau dans le doute. Bon, on va revenir en arrière. Peut-être qu'il y aura un truc qui s'est débloqué. Ouais, non. Je suis un peu bloqué, là, en fait. Putain, je me retrouve bloqué dès le début, quoi. La honte. Ah, la honte. Ouais, bon, ok, ça, je peux sortir de ce côté. Je vais bien finir par trouver une solution. Ah, Hank, tu vas pas te retrouver bloqué comme un con ici, quand même. Ok, il y a... Je peux pas passer par les canalisations? Ce serait plus marrant, hein, vous savez. Non. Oh, je peux dasher, j'avais pas compris. Alors. Go, on est un peu fatigué de toi, mais les mecs, je vous en... En fait, je sais pas si vous savez, mais... Ah, peut-être interagir avec un truc. Par contre, c'est un peu bâtard si j'ai pas pris de bon perso pour hacker, quand même, hein. Bon. Voir. Si c'est ça, vraiment, je meurs de rire, quoi. C'est ta Hank. Deimos, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à lancer le PC. Mais t'es con, Hank. Ah bon, Hank, je vais te montrer, t'es complètement con. Ah. Non, mais je crois que c'est ça, c'est vraiment, j'ai pas pris le bon perso, putain. Oh, le troll. Alors, il y a un passage. Il y a un passage quelque part, quand même. Find the control room. Bah, j'y suis à la salle de contrôle. Qu'est-ce que tu racontes? Ok, en fait, fallait tout casser. Oh. Oh. Ah, j'aime mieux ça. Hank, espèce de débile, quoi. Bon, écoutez, on va même plus se poser de questions. Je peux pas casser. C'est l'ordinateur. Non, pardon. C'est un ordinateur Nokia, faut pas le casser. Je casse tout, quoi, j'ai... Tu sais, on est dans le Nevada, tu sais. Ah, mais en plus, c'est vraiment ça, quoi, putain. Comment tu veux pas que je meure de rire? Ah, alors, qu'est-ce que je peux faire? Ok, non. Je peux pas monter? Non. Ah, pardon. Non, mais je suis peu habitué à la 3D de ce jeu, vous savez. Ah, je vais jouer à leur jeu. Allez, c'est pas des petits trucs qui vont bloquer, qui vont m'arrêter. J'aurais pas d'ordi. Qu'est-ce que je fais alors? Beaucoup de vieux PC qui traînent. Ah, il y a un truc là. Non. Ok. P. Besoin de quelque chose pour démembrer ce truc. Ok, mais qu'est-ce que je fais en fait? Hank, aide-moi! Putain, Hank, depuis que t'es passé à la 3D, t'es encore plus con que ce que je pensais. Ah, bah parfait. Allez, hop. Le marteau, ça marche pas, la clé anglaise, ça marche mieux. Non, mais... Ça ressemble plus à une porte maintenant, putain. Attends, c'est quoi ces coups de feu, là? Ok. Ah, d'accord, donc je pouvais pas revenir en arrière, très bien. Oh, il y a une télé. Alors, est-ce qu'ils ont mis un truc dans le frigo? Tu sais, il y a eu un morceau de salami. Parce que le salami est votre seul ami. Merci JDG pour cette blague qui est restée dans les mémoires. Ah, non. Oh non. Oh non, je me suis pas bloqué comme un con quand même. Je me suis bloqué comme un con.
Je le sens gros comme une... Je peux remonter au moins ou... Oh! Parfait, il y a un journal. Skimming, allez, on feuillette. Alors, cher journal, merci pour être mon seul ami qui écoute, de partager avec toi dans ce bunker tous les jours. Oh! Souviens, j'ai décidé de cacher la clé. Alors, rappelle-toi, plus c'est froid, plus tu chauffes. Putain, Michel, t'es vraiment un teubé quand même, hein. Oh putain, le con, quoi. Plus c'est froid, plus c'est chaud. Putain. Putain, je vais te retrouver, espèce de teubé, quoi. Non, mais c'est pas possible, mec. Ah non, ok, je repars de l'autre côté. Bon. Il retourne. Anomalie détectée. Oh, allez, c'est bon, les gars, j'ai tout cassé, hein. Vous n'allez pas me faire les... Ah, s'il y a des gens, là. Oh, Seigneur Dieu, vous êtes ici. Riche. Bien sûr que je le suis. C'est quoi cette discussion? Vous devez être mon correspondant. Mon refuge. Ok, j'ai rien compris. Je fais mon travail ici depuis 30 ans. Ce qui fait que vous êtes en retard de 29 ans pour prendre ma place. Oh, bien sûr, j'étais tout seul. Ça vous occupe d'avoir mal au, de vous casser le dos et tout. Comment je fais pour casser le générateur d'électricité en fait? Quoi? Vous voulez casser le générateur? Mais vous êtes fou! Ça fait 30 ans que de ma vie que j'essaye de le maintenir en place et vous voulez tout casser. Oh bon, c'est plus mon boulot de toute façon. Alors de quoi je me plains? De détruire le travail de ma vie. Oh, ça va, riche. Le riche là, il va se détendre tout de suite, hein. Est-ce que je peux te buter? Ok, c'est bon, y a pas trop peur. Ah, c'est là, d'accord. C'est tout? Ah non, pardon, c'est là. T'as, mais vous rendez compte? Non mais ce boulot de merde, vous vous rendez compte qu'il suffit de casser 3 trucs et ça fout en l'air toute l'électricité? Bon, et bah, bonne chance. Ouais, merci. Alors, est-ce que au passage, vous auriez pas des armes à feu, un couteau, une batte de baseball? Je peux te tuer sinon. Ah, salaud! Riche? Non, il veut pas mourir. Le riche est immortel, notez-le. Putain, j'ai tout foutu en l'air. Allez, hop. Ancle destruit. Ah! Oh, les agents mag! On a retrouvé le contact. Oh, mais bon sang, vous êtes combien? Deuxième étage, envoyez des renforts! Bah, attends que je te bute, toi. Allez, hop! Boum! Boum! Oh putain, ils sont armés, ils sont armés, ils sont armés! Et vas-y, tire! Attends, il essaie de me tirer dessus là? Oh, et allez! Oh, je l'ai éclaté! Allez hop, on va prendre quelques armes à feu. J'ai dit, on prend quelques armes à feu, 6 munitions, mais c'est de la merde! 5. Ok, bon, je préférais le pistolet à 6 munitions. Mais c'est de la merde! Tu sais, je tire un coup de pistolet, il n'y a plus de balles! Regarde un. Putain, c'est stylé avec la lumière rouge! Ah, coucou les gars! Oh, t'as une épée! Ah, je veux ton épée, toi! Donne-moi ça! Putain, j'aime trop les mecs qui sont arrivés dans mon dos, mais c'est moi qui suis arrivé dans leur dos! Ah ah! Eh ouais, tu ne t'attendais pas à me voir! Voilà, et hop. Eh, on leur a tendu une de ces embuscades. Oh, 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 il a mordu le... Surprise! Allez, hop! Alors, Hank! C'est pas le moment! Bute-les! Là, Hank, c'est simple. Tu mets des coups dans le lard. Et le lard, c'est les ennemis. C'est les agents mag. Ou UV L337, je sais plus ce que c'est, ces conneries. Elle vient de battre, toi aussi. Oh! Oh, ce cri d'agonie! Oh! Attendez, il y a des trucs là. Oh, des grenades! Non, je veux que tu prennes les grenades! Attends, les grenades, c'est comment déjà? C'est le mec qui a pas tourné depuis un milliard d'années, c'est même plus comment on utilise les armes.
Alors, les grenades. Drop Weapon. Ah, c'est G. Ok, on va aller les grenader d'un coup. Putain, je peux prendre un gros cover même. Allez, hop. Allez. Surprise! Eh oh, laisse. Oh putain, y'a Uzi. Y'a Uzi. Ah. Aïe 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 aïe. Ouais, rigole, rigole. Attends que je te taille en pièces, toi salaud. Ah non! Aïe, c'est parti. Ok, ok. Alors, viens, viens. Allez, viens. Ya! Oh, il m'a cassé la figure, l'autre. Ouais. Voilà, là, c'est en gros, je viens de casser mon carré. C'est très bizarre comme phrase, mais bon. Putain, on a eu 10 sur nous. Alors, content, hein? C'est le meilleur cadeau de toute ma vie! Coco! Oh! On dirait Terracid ou Lin quand ils imitent un bruit un peu. Waïa! Aïe! Mais bon sang, mais tape-le! Putain, mec! Eh! Hey, attends, tu crois que je t'ai pas vu, toi, essayer de me tirer dessus? Non, mais oh! Bonjour messieurs! Oh, tu veux pas m'éviter toi? Quoi? Putain, le mec il essaye de m'éviter quoi, je vais balancer un poule puant dans la tronche. Non, non, tout va bien. Ah, je déteste les ennemis quand ils décident de t'éviter. Le manque de respect quoi. Tu vois que c'est du respect ça, mon garçon? Merde, loupé. Le Uzi! Ah, il est à terre. Vas-y, lève-toi pour voir. Oh! Ah non, mais je vais être mort de rire pour un milliard d'années avec ça. Bon. Ah oui, non, c'est vrai que c'est de là que je venais. Pardon, messieurs, excusez-moi, je me suis trompé de direction. Ah! Hank, arrête de faire le con. Ah, bonjour! On a un intrus! Non, je suis un extrus parce que je sors, justement. Mais les gars, vous avez pas compris, j'étais armé. Oh putain, il y a un fusil à pompe lui. Oh, le fusil à pompe. Je le veux. Je veux ta merde. Bonjour monsieur. Oh. Eh, hey, il a failli me pas me louper lui. Il est où son fusil à pompe? Je veux son truc. Putain, il a perdu le fusil à pompe. C'est une blague. Oh les gars, je viens de perdre le fusil à pompe. S'il vous plaît, haïssez-moi jusqu'à la fin des temps. Allez, on prend le Desert Eagle. On peut se soigner au passage ou bien... Ah, attendez, si. On répare le corps. Ouais, bah, c'est ce que je vous dis. Hank, il en a tellement vu des vertes et des... Mais je viens de te mettre un coup de... Mais c'est pas possible. Messieurs, s'il vous plaît. Bon, messieurs, on va tout de suite arrêter les conneries. Oui, oui, ils vont jamais arrêter de me traquer. Écoute, c'est que tu connais pas l'histoire de Hank, hein. Le mec, il a passé toute sa vie à se faire traquer la tronche. Ah, non. Vous pouvez me laisser prendre une arme, s'il vous plaît? Ah! Et tu te prends pour qui, Jack Sparrow, là? Putain, le... Non mais les gars, arrêtez, laissez-moi me battre, quoi. Plus des... Kingsman da, 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 da. Ok, alors, on va tout de suite arrêter les conneries. Merci. La cible est hostile. Ah, sérieux, Sherlock? La débilité de l'IA quand même. Attention, l'ennemi est hostile. Sans blague. Tu sais, faut que je vide un chargeur entier de Uzi pour que les mecs se rendent compte que je suis un ennemi quand même, hein. Allez, viens te battre toi. Allez hop. Tiens, il y en a encore des. Tente de se barrer. Bah je veux bien, mais vous me balancez 50 milliards d'ennemis dans la tronche. Oh purée. Jésus, Marie, Joseph, je sais pas combien de gens j'ai tué.
15 minutes, bah purée. 70 ennemis tués au passage. Ouais. Ah voilà. Et bien sûr, ils vont me redonner sans armes. Non mais... le mec, il te sort... Attention, la cible est hostile. Genre, il y a 50 000 cadavres dans le bâtiment. Je viens de tirer sur le mec à coup de Uzi. Il y a 5 de ses copains, je leur ai tranché la gorge. Et le mec... Ah, il fait... Ah, ce... Ah, histoire de campagne. AH. Agence anti-Hank Weebolt. Sont les antagonistes qui veulent tuer Hank. Ils n'ont pas de juridiction dans Nexus City. Ok. Bah, vous rendez compte que le mec, que Hank est tellement brutal et meurtrier que les mecs ont dû créer une société secrète. Enfin, une société secrète juste pour buter un mec. Bon, d'un côté, ça veut aussi dire que en face, c'est un... C'est aussi dire qu'ils sont assez incompétents. Parce que si tu crées une société secrète pour buter un mec, c'est vraiment que le mec en question, il te l'a mise à l'enfer. Ah, on sort. Pas d'ennemis, s'il vous plaît, j'ai pas envie de mourir. Mais je vois rien! Les gars, au secours, je vois rien! Et les gars, vous pouvez... Je vois rien, en fait. Bah oui, je vois rien, comment tu veux? Oh, les cons! Les cons! Bon, ah... Bon! Problème résolu, il semble que le jeu ait décidé de m'aider. J'entends quelqu'un qui est en train de pleurer parce qu'il est en train de perdre dans ses oreillers. Mais espèce de connard, attends, tu me... Bon, Crinkles, je suis désolé, mais t'es un connard, là, attends. Tu me fais sortir un bâtiment, je vois rien, 50 000 mecs qui me sautent dessus. Non mais le mec, c'est j'ai une idée, je vais te couper, je te coupe les jambes et les bras, je te balance dans la mer, on va voir si tu vas réussir à nager. Non mais, t'as le culot du jeu, quoi. Bon, alors... Putain, j'ai quand même réussi à tuer des gens dans au passage. Et eh ben on y retourne. Mais non, que c'est... Mais Hank, arrête tes co... Oh ! Il va recommencer, il va recommencer. Ah, oh, ils m'ont coincé. Sors, Hank, sors. Alors. On va sortir les armes à feu. Oh ! Je suis touché ! Mais non, mais Hank! Mais Hank, arrête! Arrête, Hank, c'est pas drôle! Voilà, un coup de poing dans la tronche, c'est ce qu'on veut! Oh purée, Hank! Oh, Hank, ce débile, je te jure! Mec, il m'a fait laguer comme pas possible! Mais prends l'arme! Oui, bon, ok, prends le pistolet si tu veux. Prends le fusil à pompe. 4 munitions, ok, c'est de la merde. 5 munitions, voilà, c'est un peu mieux. Je me bats pour une munition, tu sais. Bon, alors, les snipers. Ok, bah on continue. Oh, on a tué tout le monde, finalement. Alors, il semble que... nous poursuivra jusque dans le cœur du domaine du Nexus. Et on risque une guerre avec des paramilitaires... T'as le jeu qui essaie pas du tout de me faire peur, hein. Attention, il y a des paramilitaires. Ouais, bah, tu crois que j'ai... C'est quoi, tous les gens que j'ai butés? Que je pense pas que c'est que des agents... Oui, alors je sais que c'est l'agence anti-Hank, ça vous était bien gentil de me le rappeler et tout. Ah, bah, je vais là. Bon, je pense que je couperai cet épisode en deux, pour des raisons... pour que l'épisode dure pas trop longtemps, hein. Non, mais ça me fait rire quand même. Les mecs ont créé une agence pour buter un gars. C'est-à-dire t'as des mecs. Oh non. Oh non, vous m'avez pas pris toutes mes armes. Oh mais non les gars. Bon allez, bah on a trouvé la ville. Mais quelle bande de... Des mecs qui m'ont piqué toutes mes armes. Oh le shérif. Tu vas juste revenir d'où tu viens, étranger. Attends une minute. Hank. Oh putain, c'est toi. Oui, en gros, le shérif, c'est un des premiers antagonistes... que Hank a connu. Allez, ouvre la porte, shérif. Promis, je te bute pas si tu ouvres la porte. Hey, regardez ce gars. Il pense peut-être pouvoir rentrer dans la ville alors qu'on vient de lui tirer dessus. Ah. Ouais, alors, shérif, je te rappelle que t'es pris un coup de pistolet la dernière fois que je t'ai vu. Hein. Tu dois être celui qui est en train de... qui a foutu la merde dans la station électrique. Exact, c'est moi. Je t'avais pas déjà tué une fois. Merci, Hank, tu poses enfin les bonnes questions.
J'ai été jamais autant mort. Ok, je crois que je t'avais aussi foutu une balle dans la tête, te rappelles pas? Laisse-moi monter, je vais te trouver. Oh, ce dialogue de sourd. Ah, c'est un gros nom, Hank. Ah! Oh non. Oh non, qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai faim, viens ici! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Au secours! Au secours, c'est quoi ce truc? Ok, alors si je te freins. Eh ben, je vais te frapper à coup de. Oh! Putain, il vient de me la mettre à l'envers. Oh, oh, oh! Ah, comment j'ai bien pris cher là? Et merde. Ok, donc pour l'instant, je me bats avec de la merde. C'est parfait. Putain, je sentais le boss qui va me mettre en PLS tout le long de cet épisode. Allez, viens là, toi. Allez, si c'est pour mourir, venez. Oh. Désolé, je rigole comme un con, mais j'adore quand il meurt comme des cons. Ah, allez, viens là. Vas-y, frappe. Wouah. Eh ben non, je suis un ninja du con. Wouah. Et voilà, ninja. Oh putain, on voit sa peau. Oh, c'est dégueulasse. Loupé. Eh ben ouais. Eh ben oui, du con, je suis un ninja. Qu'est-ce que t'as cru? Le mec, il attaque un ninja, il s'étonne que je bouge. Loupé. Oh oh, oh mon petit. T'as vraiment cru essayer de m'avoir, pauvre con. Oh oh. Loupé. Oh oh. Allez, viens te battre. T'es pendant ce temps-là, t'as le shérif qui est en train de bouffer son popcorn. Oh, c'est super ce duel. Oh oh. Loupé. Loupé, toi aussi. Allez, hop, on attaque. Oh oh. Je vais te foutre la misère, petit con. Aïe. Aïe, arrête-toi. Wow. Putain. Oh là, ça lag un peu. Ah, stop les lags, s'il vous plaît. La mission est déjà difficile comme ça. Attendez, stop. Petite pause. T'as besoin d'un espace sûr? Tu vas venir aller pleurer un peu? Putain, mais... Le jeu, je sais pas ce qui lui arrive, il a envie de... Il a envie d'être méchant, c'est Grou. C'est Grou de moi moche et méchant, sauf que... Oh purée, il vient de me... Allez, il vient de me mettre la tarte du siècle. C'est même le père de Hank, il a pas connu pire, quoi. De quoi tu parles, là Je te permets pas de t'infiltrer dans mon passé. Fais pas attention, Hank, c'est juste que t'as pas l'air d'aller très bien. Bon, allez, on y retourne. Est-ce que tu te sens prêt? Eh ben, on y retourne, mon grand. Allez, hop. Oh putain, je t'ai dit reculer, espèce de... Attends. Allez, viens te battre. Oh putain, j'aime bien le monstre de 2 mètres de haut qui se paume contre le truc là. Mais c'est parfait. Putain, et heureusement que je peux esquiver parce que sinon je serais mort là. Non. Si tu t'amuses à me faire le coup de je bloque au moment de taper, je vais pas te cacher qu'on n'est pas dans la merde. Hein. Et on y retourne. Loup. Putain. Pense ton... Ouais, comme je dis, il y a le shérif. Oh non, tu ne vas pas me tuer, petit morcel. C'est quoi morcel? C'est morcé en féminin. Ah ok. Alors monsieur, on va tout de suite se calmer. Monsieur, s'il vous plaît. On va tout de suite arrêter les conneries, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Oh, oh putain, j'ai perdu une vie. Fais chier, j'ai perdu une vie. Oh, bon, en même temps, j'ai un peu fait le compte depuis tout à l'heure. Allez, hop. Viens te battre. Allez. Allez. Oh, oh, on va jouer à ça pendant très longtemps, mon petit. Mais non, arrête. Non, mais mec, t'avais le timing parfait pour le tabac. Oh putain. Yeah. Allez, le coup critique. Le coup critique. Oh allez, le coup dans le derrière. Plus de nourriture. Allez, dis-moi qui bouffe les mecs. Sans... Oh putain. Il est pas content. Oh,
ça fait mal. Ah mon dieu, ça fait mal. Allez, 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 allez. Attends, je vais pas te laisser te, je vais pas te laisser te reposer. Hank, esquive, esquive, esquive. Oh putain, heureusement que j'ai esquivé. La nourriture ne peut pas se battre. Ah bah putain mec, c'est que tu connais pas Bear Grylls, hein. Ok, alors ça c'était pas prévu. Alors monsieur, on va tout de suite se détendre. Oh putain. Bah tu vas voir si la nourriture elle peut pas se défendre. C'est que t'as jamais chassé le sanglier, connard. Heureusement que j'esquive, heureusement que j'esquive. Ah, un plat épicé, ah putain. Le plat épicé, comment il te la met à l'envers en tout cas. Bon le shérif, sinon tu t'amuses hein. J'espère que tu profites bien du spectacle, connard. Et ben on y retourne. Allez hop. Oh, mes belles dents. Eh ben comment je te les ai pété tes dents là. Et viens te battre. Oh, ah, ça se passe pas très bien finalement. Esquive, esquive. Oh c'est bon, j'ai pas perdu ma deuxième vie. Putain, ah non là ça aurait été la honte. C'est le débutant qui perd. Bon c'était le premier boss. Mais frappe, Hank. Il est juste sous ton nez. Je me sens plat. Elle vient de battre toi. Allez hop. Ah mais il va m'écraser. Il a failli m'écraser ce con. J'aime bien le mec qui s'est enfui. Oh, c'était peut-être pas une bonne idée. Allez au revoir monsieur. Je vais vous laisser. Alors qu'est-ce qu'on a manqué? Oh fantastique. Il y en a encore plus vous savez. Bon écoutez. Vous allez pas rentrer dans ma ville. Écoutez, vous allez pas rentrer dans ma ville. Vous avez entendu ce qui se passe en bas. Ça ne s'est jamais arrivé, d'accord. J'ai toujours faim. Cette mort de merde. Bon, allez, ok. On va oublier ça. Allez, on va aller s'occuper du souci. Oh cette situation catastrophique. Oh cette situation. Bah parfait, c'est fini. Bah voilà. En fait je vais avoir ce qu'il faut. 12 kills putain, 8 minutes. Et le boss il a failli me buter en plus hein. Vous avez vu le bonhomme là, il était quand même en train de me casser la figure. Mais non mais il y a Han qui s'amuse à faire la danseuse étoile alors que je suis en train de... Alors il y a un secret par rapport à la mine. Ouais bon je suis pas syndicaliste donc je m'en fous de ta mine. Phobos. Ah bah revoilà Phobos aussi. Bon. Non mais qu'est-ce que j'en ai à faire de leur histoire de mine. Non et le Hank qui s'amuse à faire la danseuse étoile, je comprends pas ce truc. Vraiment j'étais en train de danser alors que le mec est en train de me passer à tabac. Eh bien d'accord que c'est quand même la pire situation qui puisse arriver. Non, tu vas pas me refaire le coup d'apparaître au beau milieu de l'IA. Bon, attendez. Ah, les fameux flashbacks. Avant la chute. Bonjour, monsieur. Ok. Ah, bah on doit être Christopher ou je sais pas quoi. Bon, on va s'arrêter là. Donc j'espère que vous avez bien aimé ce deuxième épisode. Et je vous dis à la prochaine. Bye.